Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce sera sur le tuto du croissant. Comme ceci. Alors, c'est la technique qu'il y a dans mon livre. Alors voilà, si vous me demandez où j'ai trouvé cette technique et tout ça, je les ai prises dans un de mes livres que je pense que vous avez vu dans ma vidéo revue sur tous mes livres. Voilà, Fimo, voilà, bien sûr, logique. Alors voilà, alors on va commencer par le matériel. Mais avant de commencer, si vous entendez un bruit de fond, c'est rien, c'est mon ventilateur parce que j'ai hyper chaud. Alors voilà. Alors, vous allez avoir besoin de pâte à gâteau, champagne, ocre, n'importe. Moi je prends de la pâte à gâteau parce que là je prends pas le champagne pour une fois parce que voilà, j'ai pas trop envie. Voilà. Mais sinon, si vous prenez la pâte à gâteau, si vous prenez la couleur champagne, je veux dire. Voilà, vous prenez les pastels secs, voilà. Vous aurez besoin d'un scalpel et pas de lame. Et vous pouvez prendre une lame, hein, c'est la même chose. Emporte-pièce triangle, mais vous n'êtes pas obligé de faire avec les emporte-pièces. Rouleau et cure-dent. Alors, on va commencer tout de suite pour pas perdre du temps. Alors, vous allez faire. Alors moi j'ai toute la pâte de pâte à gâteau que j'ai pris, voilà, que je me suis bien amusée à bien bien aplatir. Je sais pas si elle m'a. L'épaisseur doit pas être géniale, hein, je vous dis déjà. Voilà, je l'aplatis un peu. Voilà. Ça c'est hyper fin. Bon ben voilà. Hein. Voilà. Vous allez prendre votre emporte-pièce ou vous faites à main levée. Et vous allez faire les triangles grand, moyen ou plus petit. Voilà, bon moi je fais sur toute la bande. Alors, j'appuie bien pour pas que ça se barre, on va dire entre guillemets. Voilà. Déjà le grand. On met là. Et le petit qui est là. Après, on aura un peu besoin du reste. Voilà. Vous avez vos trois triangles. Le grand, le moyen et le petit. Après, quand vous avez fait ces triangles, vous allez prendre le grand. Voilà. Comme ceci. Vous allez prendre le moyen. Et vous allez bien le centrer. Je vais dire au milieu, mais pas vraiment au milieu quand même. Ce sera mieux. Voilà, comme ceci. Voilà. La technique est assez facile. Bon, après, peut-être que si vous avez jamais fait cette technique, peut-être que ça va être un peu plus dur. Je ne sais pas pour vous. Hein. Moi, ça va. J'ai trouvé une technique. Peut-être que j'ai un peu modifié, je ne suis pas sûre. Alors moi, vous voyez que là, c'est un peu bof, on va dire. Ben moi, je vais couper. Alors, il y a un cheveu à moi. Ça va pas le faire, si ça va pas le faire. Il y a un cheveu. Et vous allez couper ce qui est pas beau. Hein. Et ça, voilà. Là, c'est plus joli, c'est plus lisse. Et vous voyez pas trop. Hop là. Excusez-moi vraiment. Enfin, moi, je m'excuse. Voilà. Après, vous allez retourner, hein, voilà. Vous allez retourner ceci, hein, voilà, je ne sais pas comment expliquer pour ça. Et vous allez l'enrouler. Au début, vous l'enroulez bien et après vous allez doucement. Voilà ce que ça donne. Ça donne un peu un genre bizarre, mais bon voilà. Et là, vous voyez, vous tournez dans le sens que vous voyez. Voilà, et vous pliez les côtés vers le bas, on va dire un peu. J'espère que vous comprenez encore. Bon voilà, c'est ce que ça fait. Bon, bien sûr, moi, il n'est pas hyper terrible par rapport à celui-ci. Je vais vous montrer un peu la différence, merde. Voilà. Mais bon, il va être joli quand il sera bien texturé et tout ça.
Voilà. Alors après, vous allez prendre votre scalpel ou lame, n'importe, et vous allez texturer, vous allez faire des petits traits, tout ça. Pour moi, il ne faut pas que je déchiquette la pâte, que moi je suis en train de faire là. Ça va pas le faire. First impression. Alors voilà après ce que ça fait. Bon bah j'ai un peu mal texturé, peut-être pour vous que j'ai un peu mal texturé, bon voilà. Mais bon, j'ai essayé d'aller vite pour pas que ça dure trop long, mais je pense que ça sera en mode accéléré. Voilà. Voilà, après si vous faites couleur champagne, il faudra texturer bien sûr. Alors après, vous pouvez, ce que vous pouvez refaire, vous pouvez texturer, retexturer parce que voilà, après ben, moi j'ai mis mes gros doigts sur là. Alors voilà. Alors voilà, j'espère que le tuto sur le croissant vous aura plu. Mais bon, on dirait que j'ai déchiqueté la pâte. Donc quand je vois hein, comme ça. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et désolé si mes ongles sont un peu craquards. Hein. Je vais enlever mon vernis. Voilà. Et je voulais vous dire que mes vidéos que je fais sont préenregistrées. Je voulais vous dire que j'oublie toujours dans mes infos que... Je mets tout le temps dans mes infos que je dois dire que mes vidéos sont préenregistrées parce que vraiment la journée je sais pas quoi faire et tout ça. Bon voilà, je vous fais de très très gros bisous et à bientôt. Bye.